vous avez vu, je suis préparée aujourd'hui. C'est quand même un gros miracle. D'habitude, je suis pas coiffée, pas maquillée. Je suis en mode pyjama et tout. Là, je suis coiffée, maquillée, habillée. Miracle de la vie. Bref, on est dimanche 5 avril et il est... Je ne sais pas quelle heure. Ah, remarche celle-là? D'accord, il est 11h15. Avant toute chose, je tenais... Non, je tenais. Non, nous tenions quand même à souhaiter un bon anniversaire à notre petit Alban qui est aujourd'hui à 6 ans. Tu es un grand garçon, mon loulou. On t'embrasse fort. Et je te promets que dès que le confinement il est fini, on fait un petit anniversaire pour toi et puis pour Sarah en même temps. Voilà, je t'embrasse fort. Mouah ! Bon anniversaire, Alban. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, allez, va jouer avec Roxane, après on va dehors. Donc là, il est 11h15, donc j'ai pas filmé ces deux derniers jours, puisque on était à fond dans l'aménagement de la maison, tout simplement, parce que mon bureau est arrivé dans la pièce où il devait arriver depuis le début. Ça fait un moment qu'on vous parle de ranger le gourbi chez nous, donc vous savez, la pièce où on range les manteaux, les chaussures et tout. En fait, c'est une grande pièce à bordel, et donc du coup, on vous en avait déjà parlé, comme quand on voulait couper cette pièce en deux, avoir une pièce... Un côté de pièce entre guillemets vestiaire et l'autre côté de pièce bureau. Et donc du coup on a commencé vendredi après-midi et on a fini hier soir, et encore c'est pas encore fini puisque Mathieu il a encore une planche à me découper pour finir mon bureau, il faut encore installer l'imprimante et tout. Tout n'est pas terminé, mais je vous montre quand même le avant et le après. C'est parti. Donc je suis super contente parce que bah maintenant ça y est, j'ai mon petit coin ici vraiment pour bosser, qui n'est pas dans ma chambre et qui est dans cet endroit là. Bah maintenant on appellera plus ça le gourbi parce qu'il y a un peu mon bureau dedans, mais dans cette pièce là je peux vraiment être entre guillemets à part de la maison, parce que je suis pas tout le temps dans cette pièce, hein. Dans ma chambre j'y suis souvent, j'y dors et tout, donc c'était des fois c'était un peu voilà. J'avais envie d'une pièce à moi et donc maintenant j'ai mon petit coin là-bas et Mathieu va finir d'installer tout ça. Mais là c'est pas encore fini puisque en fait ici j'ai mon imprimante qui va arriver là. Donc Mathieu faut qu'il m'installe une petite planche pour pouvoir poser l'imprimante, parce qu'en fait si on la pose sur ce meuble là ça tient, mais en fait je peux plus ouvrir les tiroirs parce que l'imprimante est très lourde. Donc du coup Mathieu va me poser juste une petite planche sur ça. Donc là il y a mon PC portable, mais il va y avoir une planche. Et ensuite là, vu qu'en fait j'ai pas pu mettre mon angle de bureau, parce que normalement j'ai un angle arrondi à ce bureau là, j'ai pas pu le mettre parce que sinon ça prenait trop de place. Donc du coup on a mis les bureaux comme ça, et donc Mathieu va me rajouter une planche noire ici pour que je puisse décaler cet écran là et qu'il arrive plus par là, et donc du coup que j'aie plus de place au niveau du bureau, voilà. Et là il faut encore que j'accroche mes tableaux, etc. À savoir que ces murs là ils vont être, on va reboucher les trous, on va repeindre, on va faire un sol correct et tout, on va vraiment faire ça bien. Mais du coup là on a déjà fait une grosse partie. Donc aujourd'hui, comme on est dimanche, j'ai dit à Mathieu, aujourd'hui je sais pas pourquoi je suis à moitié bleue, ça doit être la lumière du jour qui fait ça. Non, c'est moi. Non, je suis bleue là. Un peu, mais comment ça se fait? Ça y est, problème réglé, je ne sais pas, il n'arrivait pas à se recaler. Enfin bref, je disais donc... Roxane pleure, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es cogné le pied? Non. On va voir, papa va faire un bisou. Non. Oui, non, ouais, ça c'est le truc à Roxane en ce moment. Donc je disais à Mathieu qu'on était dimanche aujourd'hui et que j'avais pas envie qu'on soit de nouveau encore là-bas, dans le bureau.
à faire du bricolage et tout. C'est super beau depuis hier. Hier, on n'a pas pu en profiter. On est sorti hier une heure avec Sarah et Roxane se balader à 7h du soir. Donc là, j'ai dit à Mathieu, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va manger dehors. On va profiter un peu du soleil, du dehors. On va continuer un petit peu les petits travaux de la caravane, etc. Rien de bien fou, quoi. Rien de crevant. Mais au moins, on sera dehors. Et ce soir, je pense qu'on ira rebalader un petit peu les filles dehors. Vous allez entendre Roxane chouiner toute la journée, mais elle ne fait que ça en ce moment. Je pense que le confinement commence à la titiller un peu. Donc c'est pour ça, là, on a dit avec Mathieu, comme il va faire beau, apparemment chez nous, il fait beau toute la semaine. Donc on récupère les filles, enfin on récupère que les jumelles demain. On devait les récupérer mercredi tous, mais du coup on les récupère demain et on ne récupère que les jumelles puisque Gabriel ne veut pas venir à la maison. Donc du coup on lui a toujours dit si tu veux venir tu viens, si tu veux pas venir tu viens pas. Donc là elle a pas envie, je vais pas donner les raisons du pourquoi du comment. Elle nous a dit pas cette fois, donc voilà, elle vient pas. Donc du coup on récupère Roman et Raphaël demain jusqu'à samedi de la fin de semaine. Donc comme il va faire beau tout le temps, toute la semaine normalement chez nous, même s'il fait un peu frais, on a décidé avec Mathieu que tous les jours on irait faire une petite balade d'une heure au centre, enfin là-haut, je vous dis au centre, mais en fait on a un centre aéré là-haut mais il est fermé. Donc du coup on peut profiter de tout ce qui est autour, donc de la forêt et tout, là où j'avais emmené Sarah et Raphaël la dernière fois. Donc on a prévu ça aussi à partir d'hier en fait, mais pour vous à partir de là. Parce que bah, le confinement c'est un peu compliqué hein, quand même. Plus le temps passe, plus des fois on le sent plus qu'à certains moments quoi. Ouais. Donc du coup aujourd'hui on fait une pause, on va profiter du soleil, on va continuer un petit peu le bricolage de la caravane, la peinture, etc. Et puis voilà, ouais. C'est une petite journée tranquille. Donc là, comme il est déjà 11h25, comme je vous ai dit, on va manger dehors. Donc Mathieu était en train de râper les tomates, les patates, les carottes. Putain. Okay. Les carottes, mais en fait comme je suis en train de vlogger, il est obligé d'attendre. Parce qu'en fait ça fait un petit peu de bruit. Oui, regardez. Donc en fait s'il fait ça pendant que je parle, et eh ben vous m'entendez plus. Voilà, donc du coup je vais le laisser râper ses carottes. Moi je vais couper mes petites tomates. Et puis on se retrouve tout à l'heure au repas dehors. Bon voilà, ça y est les amis, on est posé dehors, on est tranquille, on a la caravane devant nous et notre voiture devant nous. Donc en fait, on ne peut être vu par personne, ce qui me va parfaitement. Voilà. donc du coup, on est... Oh, boum bébé. Oh non. Mais c'est rien, c'est de l'herbe, en plus t'es même pas tombé. Donc du coup là on est bien, franchement il fait super bon. Bon quand il y a un petit peu de vent en débardeur c'est un peu juste parce que bah, le vent est pas super chaud. Mais quand il n'y a pas de vent du tout, il fait super bon. C'est pour ça que je suis en débardeur hein, d'ailleurs, sinon j'aurais... Mais j'ai quand même ma veste hein, derrière moi au cas où. Voilà, mais franchement ça fait trop du bien ce soleil, cette chaleur là qui redémarre. Ça donne un peu de baume au cœur durant ce confinement qui n'est pas toujours évident. Voilà. D'ailleurs, je disais sur Insta que nous, on avait remarqué avec Mathieu depuis ce matin que ça circulait pas mal. C'est au moins la 5-6e voiture là, qui passe depuis qu'on est dehors et ça fait franchement pas longtemps. Je pense qu'avec le beau temps, la bonne température et tout, les gens oublient que le confinement est toujours d'actualité en fait. C'est pas annulé. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Bref, donc là, on va manger tranquillement, profiter du soleil. Je pense qu'on va bien bronzer aussi. Je pense qu'on va sortir la crème solaire parce que les premiers soleils comme ça, souvent, c'est les pires. C'est ceux avec lesquels tu crames le plus. Hein ouais. Donc, je pense qu'on va se mettre un petit peu de crème solaire et puis on va profiter du calme. Il n'y a pas de voiture qui passe. Il y en a une qui arrive d'ailleurs. On va profiter du calme pour l'instant, de la chaleur et de notre tranquillité. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Écoutez, cette voiture qui passe, ça fera la 7e. Attention. Et voilà, encore une voiture. Quand je vous dis que les gens ont oublié qu'il y avait le confinement. Ben voilà. Hein, on a fini de manger, on a débarrassé la table, on a bu notre café, on a discuté, on a bronzé parce que du coup on en a profité parce que Roxane est partie dormir parce que bah, elle est levée depuis 8h. Mais... Non, 7h30, non 8h. Non, 8h. Donc du coup bah, là elle était fatiguée et puis du coup Sarah a demandé à aller se reposer aussi depuis qu'il n'y a pas les filles à la maison, depuis qu'il n'y a pas Roman, Raphaël et Gabi, elle se repose tous les après-midi. On va attendre que la rafale passe.
Donc du coup, bon, le vent là, stop, ça suffit là. Donc du coup, on a pu discuter, boire notre café tranquillement. Et puis bah là, on s'est dit, bon, ça serait peut-être bien qu'on se bouge. Donc il est 2h, il est 14h, donc ça va encore. Donc c'est parti pour le boulot de la caravane. On avance plutôt bien avec Mathieu, on a le meuble là qui est peint entièrement, donc ça c'est un petit meuble qui va servir pour ranger les serviettes de toilette, les draps, etc. quand on est au camping. Là Mathieu il a commencé à fermer le devant de notre lit puisque c'est les coffres, donc du coup il fallait cacher en gros l'ouverture. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, ouais, voilà, il a posé cette planche-là qu'il a fallu découper, etc. Là, il a enlevé tout le compteur électrique parce qu'il va changer de place. Il a rebouché tous les trous qui sont ici. Il a rebouché aussi au niveau du lit, il y avait des petites imperfections, donc il a rebouché ça aussi. Donc du coup, là, déjà, on a pas mal avancé. Donc là, on va s'arrêter, prendre le goûter, puisque les deux filles sont éveillées. Les deux ont dormi. Roxane a superbement bien dormi. Sarah s'est pas mal reposée aussi. Je vous mets comme ça, parce que sinon, vous allez avoir du vent. Donc je vais me mettre comme ça. Donc là on va faire une petite pause, on va prendre le goûter et après Mathieu mettra le meuble là, qui est en train de sécher au soleil, donc ça sèche super vite. Il va le remettre dans la caravane, donc je vous montrerai le résultat juste après. Et je sais plus ce qu'il m'a dit qu'il allait faire aussi. Bref, aujourd'hui on aura encore bien bossé. Je pense que demain on va peut-être chercher les jumelles, je sais pas comment ça va se passer. Bref, si on a le temps, peut-être que Mathieu va poncer ce côté là pour que je puisse peindre, et après il faudra qu'on enlève tout ça pour que je puisse aller là-bas et peindre tout le mur. Après, il est pas long à peindre, franchement ça va aller vite, mais le problème c'est qu'il faut enlever le lit et les coffres, donc c'est ça qui va être un peu chiant. Et du coup je ferai le plafond en même temps, parce que bah faut qu'on peigne le plafond. Donc on a encore pas mal de peinture, mais je pense que ça va aller assez vite, hein, c'est vrai. Bah si tu bosses un peu, hein, parce que bon, quand même... Me dis je bosse, hein. Non, mais je pense que sincèrement, en 2 jours, ça peut... 2 jours de peinture, c'est fini. En 2 jours, ouais, 2 jours de peinture, ouais, c'est pas long la peinture. Non, hein, le plus chiant, c'est de poncer, en fait. Le plus chiant, c'est de poncer, enfin, ouais. Poncer, d'enlever, surtout. Ouais, ouais, et puis de retirer, poncer, ouais, de retirer tout ce qui est retiré, ouais. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, là, en gros, en niveau peinture, ouais, 2-3 jours, c'est fini, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Après, ce sera de l'aménagement de caravane, donc il nous reste la penderie encore, ouais, à faire, les coffres sur les côtés là qui vont arriver sur les côtés du lit, ouais. À faire, donc on a encore pas mal de bricolage, mais niveau peinture ça se termine, donc ça avance, c'est bien, voilà. Mmh. Bon allez, goûter maintenant. Mmh. Qu'est-ce que tu fais mon bébé? Mmh. Il joue dans ma bonnette. Bon, ça va, elle était toute cassée, donc ça là elle allait à la poubelle. Du coup on s'en est servi pour transporter la vaisselle et tout ça, et ils ont fini dedans. Tu veux descendre? Est-ce qu'il y a... Tu veux le crocodile? Oui. D'accord. Tu fais le bateau? Waouh, waouh! Tu non. fais? Ah, oh, je voulais voir moi! Qu'est-ce que tu fais? Ça va être trop lourd pour toi. Non? T'essayes quand même? Qu'est-ce qu'il y a? Tu descends? Bien. Oh, Is! Oh, Is! Ouais! Allez! Le crocodile! Allez, vas-y, grimpe. Attends, elle veut monter. Attention. Allez, vas-y. Youhou.
J'étais en train de bosser quand j'ai vu ça. Voilà. Donc je me suis arrêté, même pour voir ce qui se passait, parce que je comprenais pas bien. Ça y est, j'ai compris. Hein. Pas à se balancer, bien, je vais essayer. Ouais, ça t'éclate aussi en même temps. Encore ? Ouais. Allez. Et ouais, moi aussi. Allez. Yeah. Elle va finir la tête dans la main. Ça me se frotte. Encore ? Attention. Bon, les amis, il est 17h, du coup là on est doucement en train de ranger. Du coup on va pas aller se balader ce soir parce que les filles ont joué toute la journée dehors. Depuis ce matin on est dehors, donc on va pas aller, se balader là juste à côté de chez nous, là, dans les rayons de 1 km. Voilà. Mais non, je sais pas pourquoi je vais par là. Je voulais vous montrer le résultat du meuble que Mathieu a fait. Donc voilà, bon là il y a le balai qui est là, hop là. Voilà le petit meuble que Mathieu a fait. Comme ça ici on mettra une petite lampe de chevet qu'on va visser. En fait Mathieu, on a déjà l'idée de ce qu'on veut, mais en fait il y aurait une petite lampe de chevet là pour Sarah. Et là on pourra ranger, bah là j'ai fait genre, il y avait un torchon, voilà. Donc on pourra ranger les torchons, les draps, les serviettes et tout ça, un petit rangement. Tout sympa, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que tu fais bébé? Tu fais le ménage? Ouais, ouais. Ah bah t'as du boulot là. Oh les amis, il est 18h10. On est rentré. Hé, j'ai repéré quelque chose. L'arbre le plus haut de la zone. D'accord. Bon, on est rentré, il est 18h10. J'ai monté une partie de mon vlog. Toi tu fais quoi? Tu te reposes quoi? Normal. Voilà. Et moi, comme d'hab. Moi, j'ai fait la vaisselle. Hein, comme... Ah oui, c'est vrai, t'as fait la vaisselle, ouais. Moi, du coup, j'ai lu les mails aussi, parce qu'on avait des mails des maîtresses, autant de Romane que de Sarah. Donc, du coup, j'ai lu ça, j'ai répondu, j'ai montré à Sarah, parce que Sarah, elle a une classe virtuelle mardi à 14h30. Donc, elle est contente. Et du coup, comme d'habitude, on a été dehors toute la journée. Donc, du coup, bah, je suis en train de cramer là. Parce que moi, c'est effet retardement. Moi, retardement. Donc là, je suis en train de chauffer là. Et Mathieu va vous montrer dans mon dos. Effectivement, je crois que la petite dame, elle a un petit peu cramé. J'ai un petit peu mal. Elle a un tout petit peu cramé. Hein, ouais. Tout petit peu, un tout petit peu. Hein. Ici, pareil de l'autre côté. Carrément hein. Mal. Là, je ne bouge pas. Là, t'es rouge de côté, de toute façon. Ta-da ! Ah ouais, voilà. T'es un peu rouge. Donc ça veut dire que monsieur Hibou, il doit me mettre de la crème. T'en as pas, tu m'as dit. Bah, je vais en trouver. Voilà le résultat de quand on travaille dans la caravane et qu'il fait beau, quoi. Parce qu'en plus, je me suis même pas exposée, rien. On travaille au soleil, donc évidemment... Et on sort, on fait que ça, donc on n'a pas l'impression de... Bah, puis il y avait un petit vent, donc ouais, du coup, t'as pas l'impression que ça te chauffe. En plus, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais mettre de la crème solaire. Et en fait... D'accord, impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas où elle est passée. Alors que cette semaine, tu m'as dit, je range pas la crème solaire parce qu'on va en avoir besoin. Ouais. Je ne sais pas du tout où elle est atterrie. Mystère, c'est comme ça. Bref, donc du coup, bah, quand Mathieu il ira aux courses, il ira m'en acheter. Hein, parce que sinon, moi, c'est comme ça tout le temps. Je crame tout le temps. Sarah fait toute blanche à côté de moi. Voilà. D'accord, Doug qui se met à aboyer, on ne sait pas pourquoi. Ça va bien. Ok, donc du coup là on va... Non, peut-être pas préparer à manger tout de suite. Ouais, je peux tout. Du coup on fait les moules ce soir? Bah comme tu veux, je sais pas. Bah faut peut-être les manger, après j'ai peur qu'elles soient plus belles. Bah ouais, pas de soucis. On va manger les moules nous avec des frites et puis Sarah va manger un hamburger et Roxane aussi. Voilà, petite soirée tranquille après une bonne journée de boulot. Bon les amis, il est 7h20, on a mis la table. Là les filles attendent patiemment leur repas. Impatiemment plutôt que patiemment. Donc là Mathieu est en train de faire chauffer les frites. Moi j'ai fait les moules, elles sont déjà prêtes. Je les laisse juste mariner dans le vin blanc. Je viens de me prendre le pied dans le tabouret, c'est trop mal. Voilà, petite soirée tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre entre deux? On a fait le linge aussi qu'on n'avait pas encore fait. On a plié le linge, on a remis une machine à tourner. Enfin voilà, les petits trucs quoi. Comme ça, demain on n'a pas beaucoup de rangement. On a rangé aussi les jouets là, que les filles avaient sortis et tout. On a retrouvé ça, très important. On a retrouvé les babyphones. Donc il y a celui-là et il y a l'autre dans la chambre des filles. Je vais le montrer parce que sinon, peut-être qu'il y en aurait qui diraient « Mais non, en fait, c'est pas vrai, elle en a pas mis. » Voilà, les mauvaises langues.
Voilà, donc l'autre est bien là. Hop, voilà, il est même déjà branché. Donc on est trop contents parce qu'on en parlait cet après-midi avec Mathieu en disant mais c'est pas possible, où est-ce qu'on les a rangés? On est en train de ranger toute la maison en grand, on les retrouve pas, c'est bizarre et tout. Et en fait, tout à l'heure, j'ouvrais le placard, mais j'ai me dit, oh, illumination, je sais où ils sont. En fait, il les avait rangés dans un carton d'un ancien robot. Donc j'allais pas du tout aller chercher là-dedans. Pour moi, c'était un robot dedans, mais en fait, c'était pas du tout un robot. C'était les talkie-walkie, enfin les... Comment ça s'appelle, le babyphone, quoi. Donc demain, quand Roxane va faire la sieste, on aura le babyphone, ce qui sera beaucoup plus pratique que nos téléphones. Voilà, donc nos téléphones, ça marche très bien. Mais les petits sons, ça les perçoit pas spécialement. Du genre, quand Roxane, elle gêne un peu, comme ça, qu'elle pleure pas réellement dans son sommeil. Enfin, elle pleurniche, mais en fait, elle dort. Et ça, dans le téléphone, on l'entend pas. Donc là, tout à l'heure, on l'a entendu se réveiller parce qu'en fait, elle a joué avec des jouets dans sa chambre, mais elle pleurait pas. Donc du coup, Mathieu m'a dit, oh, à mon avis, ça bouge là, vas-y voir. Donc du coup, j'ai été voir. Effectivement, elle était réveillée, mais on n'aime pas trop avec les téléphones. Je préfère avec les babyphones. Du coup, on les a retrouvés, on est content. Voilà. Donc demain, on pourra s'en servir si on a le temps de faire la caravane, parce que du coup, demain, c'est Mathieu qui va chercher les filles. Encore. Parce que la maman des filles n'a toujours pas de voiture et n'a toujours pas de solution. Donc du coup on va rechercher les filles pour les re-ramener vendredi, pour aller les rechercher plus tard. Alors voilà, donc du coup c'est un peu chiant parce que bah ça nous fait user beaucoup d'essence, hein, clairement. Et de la fatigue aussi parce que bah c'est que nous qui faisons les voyages, donc c'est pas évident. Ouais, puis Mathieu il est tout seul, donc c'est chiant, ouais. Puis moi je me fais chier ici toute seule. Ouais, enfin, bah... toi, tu te fais chier ici toute seule, moi je me fais chier. Voilà, c'est bien pour personne en fait, voilà. Donc du coup Mathieu va chercher les filles demain, mais bon, Raphaël nous a déjà appelé en nous disant papa, est-ce que tu viens me chercher demain matin ou demain après-midi ou demain soir? Donc Mathieu il a dit plutôt demain fin d'après-midi parce que bah on a des choses à faire. Donc peut-être que demain on aura le temps de rebidouiller un peu dans la caravane, mais pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Donc voilà. On va manger, il fait toujours très beau dehors, on a les fenêtres ouvertes et tout, franchement c'est super agréable, j'espère que demain ça sera comme ça. Si demain midi on pouvait remanger dehors, franchement ça serait top. Ouais, ça serait cool. Oula, faut que je regarde la météo. Oh, on a un nouveau rendez-vous dans un nouveau bureau, dans un nouvel endroit. Aujourd'hui on n'est pas dans la chambre et maintenant ça sera tout le temps comme ça. Ouais. Voilà. Bon, il est 23h. Ouais. Oh, je suis rien rouge. Ouais. Oh la vache. Bon, il est 23h. Ouais. Roxane nous a fait une grosse crise de colère là ce soir. Je pense que c'était la fatigue, donc du coup on l'a laissé évacuer. Ouais, clairement, la fatigue, effectivement. Clairement on était avec elle, hein, on l'a pas laissé pleurer dans sa chambre, non. Mais on l'a laissé bougonner, pleurer, taper des pieds, voilà. Et puis au bout d'un moment elle a dit papa, y aller. Donc du coup elle s'est mise sur Mathieu dans le canapé et quoi, 5 minutes après elle dormait. Donc elle s'est endormie devant la télé parce que Sarah elle a regardé les Mignons 3. Puisque tous les dimanches, là, ça fait 3 dimanches qu'ils ont passé Mignon 1, les Mignons 2, Mignon 3. Enfin, moi moche et méchant 1, 2 et 3. Donc du coup, Sarah elle a regardé le 3. Nous verrons la semaine prochaine ce qu'il y aura, parce que je crois pas qu'il y ait un 4. Non, je crois pas qu'il y ait un 4 non plus. Donc voilà, c'était la petite soirée. Moi j'ai pas trop regardé, j'ai regardé la fin, mais j'ai plus regardé un peu les aménagements pour le auvent de la caravane, parce que bah il faut trouver des aménagements un peu plus pratiques que ce qu'on a nous. Donc du coup moi j'ai regardé un peu ça sur le PC, j'ai regardé les comptes, hein, pour voir ce qui était déduit, ce qui n'était pas déduit, enfin voilà, les petits trucs qu'on fait pas spécialement en journée, parce que bah j'aime bien les dessins animés, mais là voilà, j'ai pas envie. Ouais, après voilà, donc chacun a vaqué un petit peu à son occupation. Ouais. Donc du coup là on va aller se coucher parce que bah il est 23h, donc il est temps. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, il faut demain aller chercher les filles. Même si tu vas en fin d'après-midi, oui, bah, enfin, vers 16h. On essaye de garder un rythme quand même. Oui voilà, on essaye de se lever vers 8h30, 9h, comme ça c'est pas trop tôt mais c'est pas trop tard non plus. Et puis on a le temps de faire plein de choses dans la journée parce que bah là demain il fait super beau. Donc demain midi on va sûrement remanger dehors. Par contre je sais pas si on fera un peu de caravane ou pas parce que on n'a pas beaucoup de temps. Bah si on peut on ponce, c'est sûr. Si on peut on ponce, ouais, et puis au moins faire la sous-couche, quoi, ce serait peut-être bien, mais bon, on pourra pas enlever le lit, on n'aura pas le temps. Non, je pense pas.
Parce que bah, le temps d'aller chercher les filles et d'aller ramener, bah, tu sais, il en a pour une heure et demie. Une heure et demie, 40 minutes aller, 40 minutes retour en général. Donc, j'allais dire si ça roule bien, mais normalement ça devrait bien rouler. Oui, normalement tu devrais pas être trop embêté, même si les gens ne respectent plus très bien le confinement en ce moment, jusqu'à temps qu'on ait un couvre-feu qui nous tombe sur les dents, hein, parce qu'à force que les gens soient indisciplinés, mais ça finira comme ça. Ça peut arriver. Bien qu'il y ait des gens qui croient qu'on est des indisciplinés, nous aussi, mais bon, c'est une autre histoire. J'ai fait une petite story sur le sujet sur Instagram. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me dire que vous étiez plutôt d'accord avec ce que... tout à fait d'accord avec ce que je disais, mais il y a toujours des mauvaises langues qu'il faut qu'ils disent qu'on n'a pas le droit de faire ceci, qu'on n'a pas le droit de faire cela. Enfin bref, passons, nous ne sommes pas des indisciplinés. Non. On respecte le confinement. On sort pour faire nos courses, je sors pour faire les courses, je sors pour aller chercher les filles, et on s'octroie une heure avec les filles de temps en temps dehors. Et de temps en temps, parce que ça faisait 3 semaines. Toi, tu l'as fait une fois. Une fois, et puis je l'ai même pas fait une heure avec les filles, je l'ai fait 20 minutes. Hier, on a réellement fait une heure, demain, peut-être demain soir, avec les filles. Oui, peut-être, effectivement. On ira peut-être se balader. C'est pour ça qu'en même temps, faut pas que tu ailles les chercher tard non plus, mais pas trop tôt non plus, qu'on puisse avoir le temps de faire ce qu'on a à faire et puis profiter aussi un petit peu de l'après-midi et tout. Donc, je sais pas. On verra demain comment va se passer la journée. De toute façon, vous savez bien que chez nous, c'est. C'est jamais défini. Non. On dit qu'on fait un truc et puis en fait on fait autre chose. Enfin, voilà. Donc on verra bien demain comment se déroulera la journée. De toute façon, je pense que demain on vlog. Bon bah. Normalement oui. Normalement oui. Donc voilà. Je crois que la dame elle est un peu fatiguée. Non, le problème c'est que je baille, je suis fatiguée. Quand je vais arriver dans le lit, je trouve pas le sommeil. C'est le problème du confinement en ce moment. Pourtant, on est bien occupé durant nos journées. Ouais, mais je pense que ça occupe notre esprit quand même, malgré tout. Et voilà. Bah, puis sortir dans la cour et sortir, se balader dehors, c'est pas la même chose. Ah, on marche pas là, réellement. Quoi. Non, on piétine, mais on marche pas réellement. Enfin bref. Voilà. Donc nous, on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, une bonne. Bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce vlog, mais un bon quelque chose en tout cas. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et de cliquer sur le petit lien YouTube qui est juste en dessous de cette vidéo. Voilà, et puis nous on va vous dire à demain avec le retour de Roman et de Raphaël. Voilà, on vous embrasse fort et on vous dit à demain. Ciao les amis.